Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des Rendez-vous Beauté. Au mois d'octobre, il y aura deux éditions des Rendez-vous Beauté. Et pour la première, c'est moi qui ai choisi le thème. Et non, le thème, ce n'était pas les chats. C'était All Black. Alors malgré le fait que ce soit moi qui ai choisi le thème, je me suis beaucoup demandé ce que j'allais faire comme maquillage. Parce qu'en fait, à la base, ce que je comptais faire, c'était vraiment quelque chose de très classique pour montrer que le noir, c'est aussi classe et portable au quotidien, entre guillemets, si on assume cette couleur sur les lèvres. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà fait ce maquillage dans une précédente édition. Donc, grâce à l'aide de l'une de mes meilleures amies, j'ai eu l'idée de faire ce petit chat. Comme ça, le make-up est noir. On est au mois d'octobre, donc ça peut vous faire une idée de maquillage d'Halloween hyper simple à réaliser. Et en plus, ça combine deux de mes grandes passions, la couleur noire et les chats. Et d'ailleurs, vous l'aurez certainement aperçu, mais pendant toute la vidéo, j'avais mon petit assistant qui était là. Malheureusement, ce n'est pas un chat noir. Je dis malheureusement parce que quand on aime porter du noir et qu'on a deux chats blancs, je peux vous dire que c'est pas toujours facile. Mais voilà, du coup, je vous laisse avec ce mini tutoriel très très simple à réaliser, comme vous pouvez le voir, mais qui met en avant ma couleur préférée. Alors, c'est parti! Ce petit tutoriel chat. Momo mémère à chat. Fallait bien que je la fasse, hein. J'avais pas encore fait de make-up de chat sur ma chaîne. Voilà, maintenant c'est fait. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir les maquillages de mes collègues et de mes invités du mois. Parce que comme c'était moi la directrice d'édition ce mois-ci, j'ai pu inviter 3 personnes. Et je peux vous dire que mes invités se sont donnés à 200%, donc vraiment, je vous mets le lien de la page Facebook des Rendez-vous Beauté en barre d'infos, on partagera tous les maquillages, surtout, n'hésitez pas à aller voir ça parce que ça vaut le coup. Et bien sûr, je parle de mes invités, mais les permanentes ont aussi fait un super boulot, donc j'en profite pour vous remercier les filles, merci d'avoir joué le jeu et merci d'avoir fait de sublimes make-up avec la couleur noire. Voilà, ça prouve qu'il ne faut pas spécialement être gothique pour être maquillée tout en noir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, même si moi du coup j'ai fait un petit make-up un peu marrant, hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et un petit commentaire pour me le dire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain, mes petites biches.